marraine et l'histoire d'un couple, enfin, d'enfants qui se rencontrent sur un plateau de Haute-Provence en 1965. Le héros est un enfant de 12 ans qui est un petit peu particulier, on le considère comme l'attardé du village, de manière peut-être un peu trop rapide et simpliste. Et il décide de s'enfuir de chez lui parce qu'il sent qu'on va l'envoyer dans un institut spécialisé. Et il rencontre, sitôt parti de chez lui, une petite Parisienne qui est en vacances et qui, elle aussi, a l'air assez originale, peut-être avec ses propres troubles. Et le marraine est l'histoire de leur amitié sur ce plateau isolé, sans adultes, loin du monde des adultes. Et donc l'histoire de leur interaction, et cette jeune fille qui s'appelle Viviane lui dit: je suis ta reine, à partir de maintenant tu vas m'obéir, je suis la reine de tout ce que tu vois, et dorénavant tu feras tout ce que je te dis. Et lui rentre dans ce jeu avec une joie et un émoi profond, parce que évidemment c'est une échappatoire formidable à son quotidien. Je viens du monde du cinéma, puisque je suis réalisateur et scénariste. C'est un monde qui m'enchante et qui me frustre beaucoup, parce que effectivement, quand j'écris un scénario, ça n'est jamais le produit fini. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire un roman qui est l'art noble par excellence. J'écris depuis que je suis tout petit, donc pour moi, c'est une concrétisation d'un rêve. Donc ça, c'est le désir, et l'histoire vient de beaucoup de choses qui se sont agrégées au fur et à mesure des années. Essentiellement des décors du pays où je vis moi-même, qui est le sud de la France. Il y a beaucoup de stations abandonnées sur la RN 85 et la route Napoléon, quand je vais dans les montagnes. Et je trouve que ces stations abandonnées sont des lieux de mémoire, des lieux peuplés de fantômes. Je trouve que ce sont des lieux très touchants. Je ne peux pas m'empêcher, chaque fois que j'en vois un, d'être ému, de penser à la vie des gens qui tenaient ces endroits, qui en vivaient, aux familles qui étaient là. Et puis voilà, il n'existe plus, c'est complètement décrépit. Il y a quelque chose de touchant dans ces endroits. J'ai toujours envie de m'en servir comme d'un décor. Et puis, j'ai aussi, d'un autre côté, une passion pour le thème de l'enfance, qui est aussi quelque chose de mon côté cinéma, qui se sont rencontrés, qui ont formé une sorte de bouillon de culture, et puis à un moment ça a explosé comme un volcan. J'ai écrit ma reine de manière très instinctive, très rapide d'une certaine façon, bien que j'ai attendu longtemps avant de m'autoriser à le faire. Et voilà un petit peu la genèse du roman. L'écriture romanesque m'a permis une liberté absolue, c'est-à-dire que dans le cinéma, et attention, ça c'était un exemple complètement théorique, parce que c'est pas le cas de ce roman, mais si j'ai envie d'écrire que le héros est un lapin géant qui va sur la lune, et une nouvelle fois ça n'est pas le sujet de ma reine, ça coûte très cher au cinéma et c'est quasiment infaisable, alors qu'en écriture il y a cette liberté absolue. Donc dans ma reine, il y avait cette liberté absolue de parler d'enfants. Même si je suis cynique, tourner avec des enfants, c'est extrêmement coûteux, parce que c'est beaucoup de temps, ils peuvent pas tourner beaucoup, etc. Donc là, il n'y a aucune contrainte. C'est moi, une plume et un morceau de papier. Donc ce que ça m'a apporté, c'est l'absence totale de barrières artificielles. L'art, on dit, naît de contraintes et meurt de liberté. Mais ma reine vit de cette liberté.